Allez, c'est le début de la mission finale. The Xenos infest these halls like a plague of rats. You cannot walk without crushing the skulls of their dead beneath your feet. This hive tyrant is the foundation of the Xenos resistance on Balfora. It is responsible for the coordinated attacks, for the precision strikes, for the uncanny formations. Ouais, bon courage, je sens que ça va être compliqué. To sever the head. Without it, the body will fragment and fall to anyone with a bolter. I remember and count every death that has brought us here. The sacrifices of my brother. Sa hache, à mon avis, va nous être utile, j'espère, contre le tyran. Et en plus, avec le bonus que j'ai mis. Will be purged. The tyrant dies today. Ok, alors le tyran de balle. Dans un essaim de prédateurs, le tyran des ruches est le point culminant de la tyrannide. Il agit comme un conduit direct de la volonté de l'esprit de la ruche, et sa présence étouffe les comportements sauvages de chaque bioforme de moindre importance qui l'entoure. Sans le tyran des ruches, la présence des tyrannides sur Balsegundu se fractionnera et se divisera en grappes de plus en plus petites, jusqu'au point que l'essaim sera alors susceptible d'être complètement éradiqué. Ouais, pour l'empereur là. 2000 points, pas de récompense de QG parce que c'est le dernier scénario de campagne. Let's go. Je me demande si ce tyran peut se régénérer. Ah, t'es en forme, toi. Ok, alors il est où cet animal? Il est là. C'est lui, c'est ça? Ah, t'as une sale gueule, mon pote. En gros, faut le rusher, c'est ça que t'es en train de me dire? Donc j'ai 570 points de trop. Bon, je suppose que déjà, je vais virer lui. Un tank. Non, surtout pas le rusher. Ok. Qu'est-ce que je peux dégager pour 155 points? Enfin, 145 plutôt. Il va me falloir un... le Land Speeder. Il me retirerait combien? 120? Je vais retirer l'une des unités d'agresseur, tiens. En vrai, les agresseurs, je sais pas, il faut que j'en garde un, ça c'est obligatoire. Si tu le rushes, tu vas mourir. Ok, donc faut laisser les vagues venir, je pense, et tenir, quoi. Je suppose qu'il y a un truc qu'il faut qu'il affaiblisse, une connerie comme ça. Moi, je pense qu'avec la compo que j'ai, ça devrait être suffisant, enfin j'espère. Mais bon, là, je pense qu'avec les héros, l'équipement que j'ai, il y a moyen de faire des trucs. Quoi. Technomage, tu viens là. Toi, tu viens là. Lieutenant, tu te mets au centre. Et la sœur, tu te mets... Bah, là. Ah, super, je le sens. Déjà le monde qui va me tomber dessus. Crush the enemy beneath your feet. Those of you who spill your blood today are true sons of Sanguinius, and will forever be my brothers. For Balfora, for the great angel, for the emperor. D'accord, il y a du monde là. Je vais tenter un petit coup de fuseur pour l'entamer. Opening fire. C'est bien. Un bon départ. Et blasters, plasma lourd. Tu me conseilles de passer par un côté ou avec toute une partie de la grosse partie de l'armée ou pas? 35. 52 sur eux, vas-y. Ça a déchiré un peu, mais bon, bof. Je te laisse découvrir, ouais. Bon, t'as raison, tu me diras. Je vais tenter un truc.
Donc là, c'est que des harpies pour l'instant, mais il faut pas oublier qu'elles peuvent voler. Je suis sûr que l'harpie va encore traîner dans le coin. Voilà, donc on a déjà liquidé deux petites unités. Bon, ça se prend. The road of righteousness is soaked in the blood of the unworthy. What needs fixing? They cannot stop me. Je te laisse découvrir qui t'a recommencé. Bon, ça sent pas bon ça quand tu dis ça. On fera avec. Donc ok, je pourrais utiliser toutes mes capacités quoi qu'il arrive, ok d'accord, ça c'est cool. Je vais tenter le plasma sur longue portée. Là, je sais qu'il y a du monde. Tu verras au premier tour tyrannie. Bah ça arrive là. Ça va pas être un combat de tour pour en tout cas, ça c'est une chose est sûre. Ok. Ah oui, là il y a déjà du people, ok. Là il y en a qui se pointent. Oh, elle est en train de supprimer des points de mouvement, ça c'est bien ça. En plus ça en liquide un. Ils en ont rien à foutre. Voilà, il y en a un qui dégage. Aïe. Hey, il a fait le boulot de technomage hein, quand même. Ah oui, ah c'est la fête effectivement. Bon, tu me diras c'est le niveau final, faut bien fêter ça comme il faut, n'est-ce pas? Bon déjà, réfléchissons un peu. J'aurais 20% de les toucher là. Fuseur sur lui c'est 50. Mal. Plutôt pas mal ici. Pas mal. Pas mal du tout. Alors toi je peux pas te viser, comment ça se fait? C'est peut-être ça non? Tac, 35%, pourquoi? C'est peut-être le dread qui gêne. Tu montes à 50, portée optimale t'as dit combien? 5, 1, 2, 3, 4, 5. T'as 50% de le toucher, on va le prendre hein. Ah oui, mais on peut discuter quand même. Hein. Et là, il y a ça encore derrière.
Sur ma troisième tortue, j'ai perdu canon speeder, unité d'incepteur suite à un double. Ah putain, double bombardement aérien. Ok. Bon bah ça, ça pue par contre un bombardement aérien. Faut que je me réorganise un peu, j'essaie de me disperser mais... Vas-y, continue de les purger. Par là, ils sont forts quand même hein, sur ce côté-là. Si je me mets là, logiquement... Ah, il y en a un deuxième derrière. Oh. Firing on the target. Ouais, 80% s'ils s'en fichent. Va vite falloir Oh là, il n'y a pas tout, tu m'étonnes. Bah non, c'est que le début. C'est que le début. Là, je peux rien faire de plus. Lui, il peut rien faire pour le moment. Incinérateur à plasma, tu te mets là, toi. En vrai, le trégon, on pourrait le liquider avec un peu de chance, hein. Bon, c'est bien. Ready for recon. T'as 56 là, 60, 45. Je vais prendre le 56. Voilà, ça en fait un de moins encore. The defense of Angelica stands with you. On va éviter, on va se planquer là, toi. Il a combien de mouvements, lui? Ah, il a 5, l'animal. Par contre, là, va falloir vous soigner, les gars. J'essaie de faire en sorte que le bombardement limite les dégâts. Ouais, on lui a arraché 65 PV et je vais reculer. Faire bouger là, toi. Ouais, on lui arrache un peu de PV, c'est un début. Et là, on va soigner. Tu n'auras le bombardement que si le tyran s'active. Ok. D'accord. Bon, pour le moment, on gère correctement, on va dire. Ok. Il y en a qui va se faire amoucher. Ouh, là, il va se prendre un coup de lance-flamme. Pas mal du tout, là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as tenté de me taper? Tout. Voilà, il y en a qui se fait arracher. Quoi qui a tiré, c'est eux. Allez, découpe-en un. Voilà. Et là, il va me foutre du poison sur tout le monde, c'est ça?
Ça, j'aime pas quand ils font ça. Bon, après, c'est une mécanique de jeu, c'est un peu une unité kamikaze, on va dire. Ok, là, ça commence. Ok. Ça va, l'abus, là. Je vous dérange pas, les mecs. Ok, l'archiviste là, ça va. Ouf. Faut bien un bon coup, s'il te plaît. Voilà, merci. 50% de points de vie, quasiment. Oh. Alors, mets-lui un coup, il a pas compris, je crois. Je lui mets un petit crit, ça fait plaisir. J'aimerais tellement lui mettre un missile en cumulant assez de points de commandement. Ok, 79. Et ils font mal, hein. Bien sûr, double attaque. Deux Gen Stealer qui bougent. Oh, y a plein de gros monstres. Ah, et là ça pond. Je pense qu'on peut les dégommer en vrai. Donc, ça fait beaucoup de monde là d'un coup. Ah oui, 5 gros monstres, tranquillou. Je vais mettre en accéléré, il y a du monde, hein. Ça y est, ok. Ah, il est engagé ici. Là, si tout va bien, on peut le zigouiller. Parfait. Là, on peut la moucher. Voilà, on l'a bien entamé là. Fuseur 65%. Allez, on tente. Bien joué. J'ai planqué mon tech marine là. Dans lequel va il se soigner, c'est... Attends, à moins que j'ai une idée. Donc il est sanguinus. Voilà. Plus de dégâts. Il aura pris des dommages derrière ça, je vous dis surtout. Lance plasma lourd. Dommages, c'est très bien. Je suis prêt à sacrifier les squads, tant pis. Hein. Les squads d'assaut, bon, c'est pas du pire utilité, mais si elle peut me balancer cette grenade alors. Pas mal du tout, bon. Et qui peut le one shot. Pas mal. Et tu peux pas taper là. Ah, ok, tu peux pas taper du tout. Okay. Donc, je te remets un bonus. Non, tu peux pas non plus. Bon, tant pis. Les gargouilles, c'est de la cochonnerie quand même. Hein.
commence à avoir pas mal de points là. Incinérateur à plasma, on va venir là. C'est pas mal. Voilà. Toi, tu te remets là. Ah, t'as plus assez de points d'action, dommage. Quand je vais te soigner, toi. Parce qu'avec le poison que t'as pris, ça sent pas bon du tout. Voilà, il y en a déjà 3 qui sont tombés là, c'est cool. Ici c'est bien, ici c'est bien. Bon. On risque d'avoir du dégât, ça c'est sûr. On a d'autres tactiques en réserve. Il pourrait se faire cette épine dorsale, ça serait cool. On peut tenter, hein. Voilà, bien joué. Qu'elle reste loin, cette sale bête. Je vais tenter un coup de poker, là je vais mettre mon deuxième dragon en position. Ah, il me reste quoi qu'il n'y a pas, j'y ai le frère. Et le lieutenant et l'autre prêtre sanguinien qui peut encore faire quelque chose. Tu bouges pas. Pas mal. Allez, va chercher ça. Là, j'aurais pu... Allez. Putain, il en colle des beignes. Hein. Et j'ai plus de PA. Je pense qu'il faut que j'essaie de cumuler à 7 points. J'ai peut-être un plan pour en terminer rapidement avec lui. Si j'arrive à me rapprocher, bien sûr. C'est que je le bombarde avec 3 points de commandement, ça va me coûter cher. Je pourrais peut-être le mettre mid-life et après avec le reste je l'achève. Il a une armure de combien ce con? Tu vois qu'il a une grosse armure. Armure de 8 quand même, hein. C'est pas un amateur. Il va m'attaquer. Oh non, il se barre. Monsieur se barre complètement. D'accord. T'es comme ça, toi. Ok. Allez, fous-lui un bon coup. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Ok. Rends-lui le coup, s'il te plaît. Merci. Là, nos véhicules, ils morflent, hein. Même tous les bonus. Attention. Dis-moi pas qui va m'attaquer de... Ouh, ils se mettent tous. Ouh là là. Ouh là là là. Bon, là, il peut y avoir du carnage au plasma, tu me diras. Ah bah, s'il fait des dégâts à son pote, moi, je dis oui, hein. C'est quoi? C'est du thermagan de base. Bon, en plus, il bloque le truc, c'est cool. Mais vas-y, je te rajoute du people.
Ok, ça pue ça. Bon, toi. Merci. Il lui reste combien de points de vie à lui? Alors toi... Là, faut choisir, c'est bien les cibles. Hein. J'ai tenté un truc. Il faut qu'on commence à liquider les trucs là, sinon on va pas s'en sortir. Incinérateur à plasma sur le Tyrannofex. Allez. Pas mal. Oh, ça, ça peut nous faire aider beaucoup là. Dans le doute, j'ai soigné l'archiviste. J'ai buffé son armure. Allez, ne le loupe, allez, achève-le, s'il te plaît, d'un coup. Oh, t'es dégueulasse, le jeu. Oh, putain. 96, tu me fais le 96. Allez, achève-le. Merci. Oh, attends. Je vais me tenter ça, plutôt. Ça sera peut-être plus optimisé. En plus, il crame complètement l'unité de gargouille, ça me plaît. We are the blood blades of Skyfall. Hellblasters awaiting target. Bon, toi tu vas reculer. The blood is strong. Do not falter. Là c'est utilisé. Je vais me tenter de me mettre là et j'essaie de tronçonner l'autre Tyrannofex dans le dos. Logiquement, il doit l'achever entre 75 et 101. Allez. Bien joué. Quoique, on va peut-être se mettre en face de lui s'il tente un move bizarre. Et lui, il faut qu'il vienne donner un coup de main. On va essayer de les faire venir, mais il faut liquider ces trucs. Hein. Bien joué. 142 de dommages, c'est très bien. Pas mal du tout. Quelle unité assez est pas loin d'avoir les impulsions requises là. Ah, y en a aucun. Après, sur le deuxième dragon, ce serait pas un mauvais plan en vrai. Je peux pas l'utiliser ça. Ah, tu pourrais peut-être me moucher. Bon, à la limite, pourquoi pas. Voilà, Itoro, il a mis ce qu'il a pu. Toi, tu vas reculer. Toi aussi. Toi, tu vas essayer de l'engager au corps à corps pour le distraire, on va dire. Je peux pas le bouger, ok. Je peux pas l'utiliser, tant pis. Bon. Là on peut s'en sortir si les deux dragues nous tiennent bon. Ils vont devoir faire des choix. Lui j'ai tenté de lâcher pour pas qu'il se barre.
Dommage, on ne l'a pas eu, il manquait pas grand chose. Landspeeder n'a pas encore agi, effectivement. Le Tyrannoflex ne régénère pas. On va déjà l'entamer. Voilà, c'est toujours ça de prix. Toi, t'as pas tiré encore. Bon, allez, on va prendre le 49. Voilà, comme ça, t'es sous les 300 points de vie. Ça va rééquilibrer un peu les choses. Peut-être taper comme ça. Là, ils sont bien encerclés au centre. Là, on peut les juguler. Ouais, ok. Ah, vas-y, fais ta connerie. Hop. Il va taper dans le dos de mon archiviste. Dragnoot, c'est ça? Ouais. Ouais, ouais, ouais. À la première vague, génial. Donc ça veut dire qu'il y en a encore des tonnes et des tonnes, quoi. Ah bah ça va, mais je vais m'amuser encore. Bon. Par contre, là, il faudra, faut des réparations, hein. Voilà, tu me mets mal lui. Toi, tu me, vous, vous me tronçonnez lui dans le dos. Bah, en fait, je pense que si je les jugule, j'ai peut-être une chance, quoi. Mais bon, après, je sais pas combien de temps je vais devoir tenir, c'est ça aussi. Ça, c'est du lance-flamme. 56 à 75. J'ai peur qu'il me le one-shot, en fait, c'est ça. Je vais utiliser l'incinérateur lourd sur... Là, je suis quasi sûr de le buter, tu me diras. Je vais peut-être reculer mon dread le temps 2. Je vais faire lui, le petit sur lui, et le gros, je vais le saucer. Pas mal. 42, c'est pas suffisant, mais pourquoi pas. J'ai que 50% avec eux. Bon, on va le prendre, hein. Pff, 50%, hein, bon. À la limite, ok. Alors, toi, t'es hors de portée. Toi, t'as du lance-flamme lourd. Il s'en fout, mais lui, eux, ils s'en foutent pas, par contre. Lui, je vais mettre le petit bonus. Bon, c'est que 75 points de vie, mais ça peut aider. Là, il faut le dégommer. Voilà. Ça va. Bon, je pourrais pas faire mieux, malheureusement. Non, 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 attends. On va faire ça. J'ai peut-être une meilleure idée. Peut-être l'achever. Merci. Bon, lui aura besoin de réparation en priorité. Hein. Toi, tu m'achèves ça. Bon, après, tu pas de la différence, c'est que toi, tu as joué en, aussi en lieutenant. Moi, je joue en Astartes, donc en mode normal, quoi. Donc, est-ce que, je pense que ça doit contribuer aussi. Hein. Bon, je vais rapatrier mes renforts, là. On va reculer le blindé d'un cran.
Normalement, là, on a tout liquidé pour l'instant. Ah, t'étais aussi en Astartes? Ok, bon. On va profiter pour réparer, hein. On va soigner. T'as qu'un point, toi. Ose me dire qu'il y a des trucs là-dedans. Ah, pourquoi ils viennent dans combien de temps, cette fameuse vague? Il y avait un délai ou quoi? Alors, attends, continue. Tant pis, hein, je répare tout, hein, j'en profite. Bon, c'est pas passionnant, hein, je vous l'accorde, mais j'ai envie de me mettre bien, quoi. Tu vas voir, il faut que j'approche pour... Bon, continue, là c'est bon. J'aurais peut-être dû prendre un deuxième Tech Marine avec du recul. Pas mal. On va garder nos points pour le moment. Ah, mais t'as fait la même chose. Bon, bah, ça va, alors je me sens moins seul. Attends, j'ai une idée. Je vais lui mettre le buff d'armure. Même si c'est pas utile. Voilà. J'aurais dû le mettre. Si j'avais pas utilisé la compétence, je l'aurais mis sur le. On continue de réparer nos véhicules. Le seul qui s'en est bien sorti pour l'instant, c'est le véhicule Tornado. J'ai juste exploré. Ah, il y a du Gen Stealer là. Bonjour, ça va? Bon, au moins il y en a un de tombé, c'est cool. Bon là ils sont là ensemble, là ils sont quasiment increvables quoi. Si je les mets tous mes trois véhicules au centre, ça va être compliqué pour eux. Alors la sœur elle va venir aussi là. Il y a quelque chose là. Quelque chose là. Donc ça commence à bouger. Trigon. Thermagan. Quelques Gen Stealer. Qui ont été amochés d'ailleurs, ça fait plaisir. Mais j'ai bien fait de me mettre en vigilance, tu me diras. Voilà, cette unité de Gen Stealer ne nous gênera plus pour l'instant. Bon, je vais me mettre là. Remitrandir. On est assez en train de s'approcher de la fin petit à petit. Ça, c'est un peu chaud, on va dire. En vrai, ça serait tellement sexy, ça aussi. Mais je vais attendre. Avant d'utiliser quoi que ce soit, je vais attendre. Par contre, là... Il faut qu'on va continuer de soigner l'archiviste. Hein. C'est lui qui peut faire la... Je pense qu'au corps à corps, il fera la différence contre le Dread. Ah, t'as eu une coupure Internet. Oh, merde. Désolé pour toi. Pure t'auras les rediff. Oh putain, il y en a encore.
Oh non, pas encore ça, des nœuds d'infestation tyrannique, c'est pour ça que ça pop à l'infini. Quelle saleté, attends, y en a d'autres ou pas? Voilà, ça en fait un de moins. Je comprends mieux maintenant. Donc logiquement, il doit y en avoir de l'autre côté aussi. Donc en arrière, on n'en avait pas, ça c'est cool. Lui, il a un lance-flamme lourd, porte optimale 1. Bon, on est encore loin du Tyrant, mais bon. Pourquoi je dis Tyrant? Bah, c'est un Tyrant. J'ai pensé à Resident Evil, voilà. Je comprends mieux le Buzin maintenant. Alors, est-ce que je shooterai pas le nid pour être tranquille? Tu l'auras? Voilà, ça en fera un deuxième de moins. C'est donc ça, comme ça, il spawnait en masse, tu m'étonnes. Le dernier Dread, tu vas venir là. Toi, tu vas devenir ici. Les plasmas lourds, vous venez là. Va falloir éviter d'être trop compact, quoi. Bah, pour le moment, ça va. J'ai dégommé pas mal de monde. J'ai pas perdu d'unité pour le moment. Mais apparemment, Top Tupad, il m'a un peu expliqué. Il se peut qu'on a... Une fois que lui va s'activer, le salopard, là, le tyran, il va nous lancer un bombardement dans la gueule. Et j'en ai un peu peur. Donc, ce que je voudrais essayer de faire, c'est de l'amocher avant qu'il lance son bombardement. Ah, bonjour. Bon, il y en a déjà un à moucher, c'est bien. Bon, là, on est dans les nids, je pense qu'on les a un peu intimidés. Donc, ça, c'est la deuxième vague, du coup. Oh, joli. La sœur elle fait le boulot. Ah, ok, ça va. Donc là on a du Thermagon. Et là on a un gros centre fort quand même. Hein. Oh non, pas une exocrine. Oh putain. Il y a une exocrine là, il y a du monde encore, ouais. Il y en a deux qu'on a eu. La vague de gauche est gérable, hein, je pense. Oh oh. Je sens que je vais... Attends, qu'est-ce que... Il y a quelque chose, j'ai envie de dire. Ouais, je comprends mieux pourquoi tu me dis pas le rush. Par contre, on est d'accord que là... Oh, je vais morfler. Oh, je vais morfler. Bon, ça va. Ah, j'ai perdu deux escouades, ça va. De tech. Bon, c'est tout, là. À un moment, faut arrêter, quoi. Ils ont survécu aussi, cool. Et là, ils ont tenté de s'approcher, mais ils auraient pas dû. Putain, 9 d'armure. Qu'est-ce qui peut le percer à part le Dread, lui et. Bon, là-bas, on est un peu dans. On est un petit peu en infériorité. Hein. Là, c'est d'autres gargouilles, ok. J'ai des grenades aussi, je suis con moi. Bon. Déjà, va falloir réfléchir. Le Tech Marine, qu'est-ce qui a mangé le plus? C'est le tank, on est d'accord.
27% pour l'entamer, il y a une évasion de combien ce sac? 20%. Mais après je suis loin de la porte effectivement. Ok, ça commence comme ça, c'est bien. Ça peut être pas mal si tu me fais ce move là. Parfait. Ça fera une unité en mode vigilance ici en moins. Là j'ai 2 points. Par contre, qu'est-ce que je liquide en priorité ici? Non. Donc, toi tu vas m'aider. C'est qu'on va jouer la surcharge sur le premier là. Toi tu me remets des PV sur lui. Ah, il y en a 2 de premier, d'accord, bah, tu m'étonnes. 65. Là, faut l'achever là. C'est bien, on leur fait mal là. Toi tu vas reculer. Toi tu vas pousser d'un rang. Plus de. J'aurais dû mettre le bonus, j'ai encore oublié. Commence à entamer elle. Bon. Ok, elle a fait le boulot là. On va pas lui cracher dessus. J'ai mis un escouade d'assaut. Si je le tente sur lui. Voilà, ça va déjà l'entamer. Eh, ça nous fait une nouvelle escouade d'assaut, c'est cool ça. Vas-y. Oh là là, là on l'a mis. On l'a mis le coup. Je pensais pas qu'on gardait escouade d'assaut en fait, là j'ai appris quelque chose. Bon, ça va. Là, on peut peut-être tenter le coup. Alors, c'est quoi? C'est lance-flamme, ça? Faut focus le tyrant, en fait. Hein. Faut pas s'emmerder. Utiliser, dommage. Bon, là on l'a quasi. Il peut se régénérer ou pas? Non, il n'y a pas de régène. Bon, tant mieux. On va tirer sur cette escouade de Thermagon là. Pas mal du tout. Et là, il y a ce flanc là qui est un peu compliqué, on va dire. Ça. J'ai tenté un truc. Ah, il y a eux, c'est vrai. Bon, tant pis. Pas mal du tout. Tu sors de ce guépier. Tu vas te replier là. Ça t'évitera peut-être exposé à plein de cochonneries. Qu'est-ce qu'il n'y a pas encore agi ici? Le technoprêtre là.
Il va me réparer le Predator Ball. On va lancer la grenade sur le tyran. Le tyran. Putain, arrête de dire tyran. Alors. Oh. Alors si je t'avance d'une case, tu pourras tirer ou pas? T'as 24%. Bon, on va le tenter, hein, c'est du lourd. Ça peut le mettre très mal si ça touche. Ouais, ça. Oh, 100 points de vie le reste. Ah, on va perdre les squads, c'est ça? À moins que. Attends, lui, il a pas agi encore. Pas de cible à portée, non. On va vite soigner nos petits gars. Il y avait quelque chose là, j'ai pas eu le temps de voir ce que c'est, tant pis. J'en étais sûr, il y avait quelque chose. Ouais, ça va. Pas de d'inviter un désherbe dans le dos, vous voyez. Voilà. Alors, tu peux pas le shooter, lui. Bon, on va tenter un 37. Ouais, on leur tire encore 18 PV. C'est pas mal du tout, en fait. Bon, il y a un qui va clamser. Ouais, logique. Oh, il va charger. Ah, il charge dans le tas, carrément. Bon, ça va. Ouh. Ouh, le saligo. Ah non, pas de bombardement, s'il vous plaît. Bon, ça va. C'était pas le meilleur de ces bombardements, mais bon. Ils ont tenu bon ici. Ah, il s'est loupé. Oh. Lui est cuit, hein. Un coup de l'archiviste et c'est cuit. Mais bon, faut prier qu'on arrive. Pas mal. Ouais, l'IA est un peu conne sur la fin, c'est clair. Bon, on va quand même se faire du kill hein, un peu. On va faire un peu durer le plaisir. Ouais. Après, tu vois, je peux comprendre le move de l'IA pour les Venom Trop, tu vois, de les foutre au milieu de tes troupes. Là, je le conçois. C'est quoi ça? C'est un fuseur? Voilà, pas mal du tout. T'as 14%. Et là,
5%, putain, ça a diminué d'un coup, waouh. Ouh. Pour du 33%, ce nombre de dégâts, c'est, ça fait plaisir. Bon, allez, petite grenade là. Pas mal. Toi, t'as un lance-flamme lourd, mais t'as aussi un point. Là, c'est le fuseur. Bon, tu comment? L'archiviste? Juste pour venger Kindar, quoi. Ou on le tue avec le lieutenant, mais bon, ça me paraît un peu loin. Oh, je vais tenter la frappe à l'épée pour voir ce que ça, le dégât qu'elle fait. Ouh. Ah, vous me plaisez, Sœur Vérité, avec votre épée. Alors, combien... T'as plus de points, toi, ok. Allez, tue-le. Voilà, le prêtre qui a fait le boulot, là. Voilà, ça c'est cool. Alors là, je vais me mettre là avec eux. Par contre, là, le frère, il va les soigner. Bon, allez. Wow. Point de commandement gagné, ok. Encore un qui tombe. Allez, on le crame. Allez, on en termine. Allez. Allez, saloperie, die. Voilà. C'était pour frère Kindar. Eh bah bon, on s'en sort très bien, je trouve. On a perdu quoi? Une unité de assaut là, donc une escouade d'assaut. Après on a pris des pertes sur les soldats, mais globalement. Bon, c'était en normal. Bon, certains diront, lieutenant, t'aurais galéré plus. Oui. Et j'aurais pas autant de points, parce que j'avais lu que sur la difficulté, vous avez de moins en moins de crédits. Ouais, ils ont pas mal mongolisé. Bon, sur la fin surtout, mais bon, tant mieux. Have care, brothers. The core of their network is dead. Call your blood. Save her. Ah, merci, Vite. I have to attend the dreadnought. In Caria, I will have my liver if we lose the machine spirit down here. Go, brother. Tend to his body. Brother Quindar's sacrifice should be venerated and recounted with pride within our chapter. I expect I will get to walk away just as easily, Lieutenant. Even after all that I have witnessed. You understand nothing of what you saw. At ease, brother. Sister Verity has a right to question. We wrestle with our curse every day. It is a testament to the sister's strength that she did not turn on us.
when faced with our chapter's darkest shadow. J'aime bien la patte graphique. Answer me truthfully, Carlyon. Did you know the Psycho was falling when you brought us here? Were it not for the tyrant's talons, he may have jeopardized us all. Did you know? When I talk with Canoness Martilia, I will have to confess all to her. She will learn of your rogue librarian and the knife's edge you made. I trust you will tell her everything you need to, sister. The Emperor already judges our every decision. Should he find mine wanting, my life is his to spend. With time, the contradictions fade. Balfora continues to tear. Her people will slowly come back and begin to rebuild their lives. I am no longer needed here. My ghosts are at rest. There is already new work for us. The Primaris have proved the strength of their blood. Dante is eager to use them to cleanse the Red Scar. Baal is but one of thousands that we will wrest back from Leviathan. Our sword arms may tire, but our spirits cannot, so long as enemies of the Imperium remain. For we are the angels of death, and we are always prepared for war. Non, j'ai chopé le... Oh, j'ai chopé la capture d'écran tout pile. Eh ben franchement, c'était une très belle campagne. La narration était géniale. Les compétences, ça, c'est plutôt intéressant. Bon, après, bon, peut-être un petit peu plus d'explications dans le tuto, je dirais, mais globalement, je suis satisfait de cette campagne. J'espère qu'on en aura d'autres à l'avenir. Il faudra que je fasse une escarmouche plus tard pour juste débloquer le succès, battre, gagner avec les tyrannides, quoi, mais c'est tout, quoi. Globalement, le jeu, il est cool. Je sais pas ce que vous en avez pensé, les amis, mais franchement, bon, j'ai débloqué 25 succès sur les 30. Les deux cachets, à mon avis, ça devait concerner les scénarios avec les sœurs. Je suis sûr, il y en a qui vous demandent de ramener toutes les sœurs en vie. C'est obligatoire. Donc bon. On verra ce que réserve l'avenir pour eux. Ouais, les tyrannides, ils sont pas mauvais, à mon avis. Ils ont des bonnes forces, de ce que je viens de voir. À mon avis, on aura le droit à une extension du roster des sœurs de bataille. Donc, voilà. Après, qu'est-ce qu'ils pourraient faire comme race, déjà? Moi, si j'étais eux, je sais pas comment ils fonctionneraient, mais moi, je mettrais une race du côté du bien de l'Imperium et une autre race du mauvais côté, genre tout ce qui est orque, nécron, tyrannide et tout le tralala, quoi. Pourquoi pas voir la garde impériale débarquer, les sœurs de bataille,